Le type se retrouve aujourd'hui sur l'Onokil de Shidrak, sur la Couze de Pavay, une rivière issue du Mont d'Or et qui prend sa source à 1500 mètres d'altitude. Plus précisément, elle sort du lac Pavay. Depuis notre début dans le Puy de Dôme, nous avons fait maintes et maintes Onokil, mais avec des résultats vraiment peu prolifiques. Mais aujourd'hui, nous allons avoir une excellente surprise. Le groupe qui a débuté son parcours sur le bas a l'agréable surprise de toucher uniquement des truites fario. Sur le haut du parcours se trouve l'autre groupe. Par téléphone, nous apprenons que c'est un peu mitigé. Beaucoup de tatanes blanches, c'est-à-dire des truites arc-en-ciel, que nous avons surnommées tatanes, et quelques petites fario également. Mais tout le monde prend du plaisir et s'amuse. Il faut dire que la PPMA de Shidrak a fait un excellent travail sur ce parcours, en aménageant très bien les bords et surtout avec une qualité de poisson exceptionnelle. Tente de débriefer tout cela devant un bon repas. Le mec il était en short, torse nu, les baskets. Le lancer la cuillère au bout. J'en ai sorti deux déjà et j'en ai raté deux. Et puis continuer à marcher au milieu de l'eau et puis vas-y que je pêche quoi. Dans le no-kill. Prédéduit. 4 poissons. Et bien après 5 saucisses. Belle occasion. En plus, on l'a vu quoi, je veux dire, c'était pas. Moi, était assez clair, on l'a vu. Les 33 degrés. On va voir ce que ça peut donner. J'ai un film quand même. Là. Les premières arcs ne tardent pas à montrer leur bout de leur nez. Et il faut dire qu'elles nous offrent de superbes combats. On s'amuse, on prend plaisir, même avec ces truites qu'on appelle les tatanes blanches. Nous ne ferons pas que de la blanche dans cette belle après-midi. Guédo fera une superbe fario de 35 cm qui lui donnera quelques fils à retordre. La petite me je filme. Thank you.
Il y en a une. Parfait. Il y en a plusieurs déjà. Ta rivière, faite de radiers, de petits gourds et de petits courants peu profonds, nous convient totalement. Ici, un toc manqué se transforme en prise par le ventre sur cette jolie petite farine. Très chaud sous les waders en ce jeudi après-midi. Alors ne soyez pas étonnés de voir trois mecs le cul dans l'eau. Ça peut étonner certains pêcheurs, mais nous, c'est notre façon de concevoir notre plaisir, tranquille, sans pression. On n'est pas là pour faire de la compétition. Ah, c'est un peu con. Mais si tu l'as. Si c'est peut-être. Ah non, je me suis pas permis d'effacer donc. Passer. Non. Elles sont éduquées pour faire plaisir aux. À la teigne. Hey, je suis passé à la teigne, il y a la mouche là, elle a pas voulu, je mets un verre, bang, t'as vu le... À tour de rôle, les truites arc-en-ciel vont nous offrir de fantastiques combats. On prend vraiment un grand plaisir à essayer de sortir ces truites. Bah c'est pas trop, pas comme toi hein. Bah comme celle de Roube. Oh merde. Putain, mais juste là. Ouais, bon, il... C'est le spot des tatanes blanches. Elle tient le coup.
faire casser. Non, foiré, là. Ici, on voit que la truite sort aussi vainqueur de ses duels, surtout avec des hameçons sans arbres. Vidéo gag. Ah. Un peu plus, il va être bien. Essaye. Hein. C'est sur les cannes là. Non, mais c'est quoi qu'il a dit, qu'il apprend. C'est bon. 40. 40. Ouais, belle journée sur la couche de pavin. Hein. À neuf, on doit faire 200 poissons. Les branches, il faut entre 30 et 50 cm et quelques belles fariots, une de 35. Belle journée, pêche à groupe exceptionnelle, comme d'habitude. Ah, on voit Pierre là, qui va arriver, on va lui demander ses impressions de la journée. Alors Pierre, tes impressions de la journée sur la couche? C'est sympathique, on a fait de jolis poissons, il y avait de la blanche, de la fario, on s'est régalé. Bravo Kouetou, ta journée? Difficile pour moi, parce que j'avais pas trouvé la bonne plombée. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé qu'à la fin, et ça a tapé de suite. Mais après, rivière magnifique, très poissonneux, il y a de quoi s'amuser, malgré qu'il y ait des blanches, mais très sympathique. Gwen, tes impressions sur ta journée? Bonne journée. Bien régalé. Ouais. Ouais. Content. Aujourd'hui, on regrettera pas d'avoir fait quelques kilomètres.